Alors vas-y. Hop, attends, non, bouge pas. Attends, j'ai pas branché. Donc merci messieurs, qui vous êtes approchés du terrain numéro 6, donc 10h30 pour voilà, débuter. On va tester le micro. Finale, oui, impeccable, c'est bon. C'est bon, impeccable. Donc quand vous voulez les gars. Viola, on a joué face à Sébastien Chazel, Jérémy. Attaque, ils font la pièce. Et Renato Ullmann, terrain 6. C'est bon, tu peux envoyer le générique. Rebonjour. Eh ben, nous revoilà. Nous revoilà pour ce premier quart de finale. Alors, un quart de finale quand même très, très relevé. Hein. On va retrouver beaucoup de champions ici, là. Sur vos écrans, donc l'équipe voilà. De Luc Lai, il est juste champion de France, Michel Pérez et Théo Aurel-Cérès. Voilà une magnifique équipe, vous allez voir, là, de Bombardier, qui sera opposée à l'équipe de Loïc Ducor, Olivier Titouan et Frédéric Cazès. Frédéric Cazès qui n'est autre que le premier champion de France de tir de précision. Et Titouan Olivier, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il était en finale avec Alexis Souniou à Saint-Tropez l'année dernière. Donc voilà. Donc c'est pas... Merci pour tes connaissances sur les joueurs. Ouais. Donc voilà, une très belle affiche encore là pour ces quarts de finale. Deux équipes. Voilà, on disait hier, il y a eu des grosses cylindrées qui sont passées à la trappe, mais je peux vous dire que ben voilà, elles ont croisé le chemin de ces six garçons et c'est pour ça qu'on les retrouve ce matin. Voilà, deux équipes vraiment très bonnes, très fortes ce matin. Luc Lai s'est débarrassé de l'équipe de Sissou Cantarel. Quant à l'équipe de Frédéric Caz a battu l'équipe de Jiménez. Les compteurs sont à zéro. On va pouvoir tout redémarrer. Voilà, c'est encore tapé pour Luc. Déjà, tu viens de couper sur celle-là, après tu peux tirer. Tirer, il faut rendre le carreau obligatoirement. Allez Fred. Oui, bien sûr, mais je veux dire, même si tu le rends. Donc, l'équipe Erleman et Pradier, donc on attend bien que ça se termine sur le terrain numéro 2 pour jouer votre rencontre. Hein. Erleman Pradier, c'est bien sur le terrain 2. Voilà, un peu court là, Frédéric Caz. J'ai foutu mon téléphone, il est dans le contre-tableau. C'est un 3, non? Ouais, mais je suis pas resté. Ouais, mais t'en pousses 3, t'en prends que 3. Tu... Comme tu veux. Allez, Fred. Allez, Fred. Les autres. Bonjour.
Ouais, la coupe. Ah, et puis. Ah, il est rentré ce coup-ci. Bien tiré, petit. Bravo. Voilà, pour ceux qui le redécouvrent, Tito Olivier, le bombardier. Voilà, parce qu'il faut. Il est resté. Ah, il faut être serein et costaud pour tirer devant Frédéric Caz, lui le champion de France de tir de précision. Si je joue là. Moi là, s'il est tiré, je vais passer les deux. Après, je tire au point après. Non ? Tu vas le gagner, truc. Je dis pas que truc, mais après. Oui, c'est pour ça. Je sais, je pense pas que Titi va faire sur celle-là. Si Titi vient à perdre, à gagner sur celle-là d'un pied, que toi tu fais ça derrière, t'en as deux par terre. Le résultat, c'est le même. Il va y faire faire au. Il faudrait qu'il annonce quand même. Je suis à peine dans la boule. Michel Pérez aussi, très bon joueur. Et on dit, je m'excusais pour la prononciation, on dit Luc Lahill. Ouais. Ouais, c'est bien repris pour Michel Pérez. Ouais, l'autre, je l'ai vu, là, j'ai tourné un peu la main, j'ai tourné. Passe encore. Allez, c'est tout. Pardon. Ah, je l'ai vu là. Je tourne juste là. Bravo. Bravo, super. Magnifique carreau. Ah, on peut dire, Jean-Michel, que hier, que ce soit hier ou sous la pluie ou aujourd'hui, il y a un bon état d'esprit. Hein. Les joueurs, oui. Vraiment, il y a un fair play. Je pense que. On n'a pas vu vraiment. De plus en plus à la pétanque et ça c'est dû au travail de tous les éducateurs depuis des années. On retrouve des jeunes joueurs surtout, on trouve pas mal de jeunes joueurs et des jeunes joueurs qui respectent le jeu, qui respectent l'esprit sportif avant tout. Allez, 20h40, on va pouvoir débuter aussi le quart de finale sur le terrain numéro 3 entre Ruffino Sanchez et l'équipe de Adel Jaffari. Alors, oui, c'est 4 points si déjà. Messieurs, merci de vous rapprocher de votre terrain pour jouer votre partie de Loïc Ducor. Le quart de finale. Vous voyez, très belle ambiance, oui. Comme quoi le tir là, il est vraiment prépondérant aujourd'hui. Et devant la vue depuis hier, là, quand on tire bien, on a vu ce matin. L'équipe qu'on vient tirer, ils s'en sortent mieux. La pointe est vraiment très difficile. Sur le carré d'honneur et notamment sur notre jeu on ici. On va jouer terrain numéro 8, l'équipe 70 de Jean-Pascal Pifferini, que vous allez jouer face à l'équipe 27 de Michael Dufour. Terrain 8. Messieurs, vous allez pouvoir débuter cette rencontre sur le terrain 8. Donc le challenge pour Louis Plateau. J'ai voulu la rentrer pour passer au-dessus. Bon, après, j'ai fait le bon coup parce que j'ai perdu le jeu. Elle t'a pas allé au bout. Voilà, un peu court là, Loïc Ducor sur sa première boule. C'est pas possible de pas réussir à déménager. Donc retrouvez notre lien pour les résultats en direct, ils sont mis à jour par la table de marque. Donc une fois que la table de marque ici au vent se met à jour le tableau, notre lien en direct vous donne les résultats. Très bien. Pas fait exprès. Après ça, au moins couper les trois autres, pas les deux. Mais bon, après moi c'est ma première, elle n'est pas gagnée. Parce que moi j'écarte le jeu quand même. Et après je le gagne après.
Ah, il s'est bien repris là, Loïc. Un joli point. Voilà, Luc là, il a un style caractéristique aussi, comme tous les bons tireurs, très souple. Il est facile. Très facile, Luc Lahille. Toujours de, je le connais depuis très longtemps. Il a toujours été décontracté, je dirais. Très concentré. Garçon très attaché. Joël Malatesta et Jérôme Nouzéron, donc on les retrouvera tout à l'heure pour les parties de quart de finale. Tirage pour l'équipe de Mathias Pujolet. Ce sera la case numéro 6 actuellement. Pas d'adversaire pour le moment. Bien joué, Titi. Bravo, et... Titi. Allez, mon Luc. Bien, Titi. Ah, il est juste long, il a sauté la boule. Parfait, il va prendre des coups. Il va prendre des coups. Et voilà. Donc main annulée sur ce tic de sur ce tir pardon de Luc Lahille. Voilà, il était juste un poil long, mais bon le poing avait pratiquement bouchonné. Si vous voulez ça. C'était à Perpignan. Oula. Ah, il est sorti du carré. Dehors. Ouais, mais ils ont servi. Il va monter là. Très belle entame à chaque fois pour l'instant pour mettre son équipe sur la bonne dynamique. Allez, sur le terrain numéro 8, on peut débuter la partie entre Jean-Pascal Piferini et l'équipe numéro 27 de Mickaël Dufour. Messieurs, merci de vous rapprocher du terrain numéro 8, s'il vous plaît. Ouais, je pense que du côté de Michel Pérez, on s'entête à vouloir pointer sur un point à 30, c'est compliqué, je comprends pas cette équipe là, on joue pas très loin pourtant. Voilà, je pense qu'on aurait dû tirer. On aurait dû tirer tout de suite. On aurait pu miser une boule déjà. Sur la tête, mais ça suffit. Ah, il a un tir vraiment haut avec la île. Donc il va faire beaucoup de carreaux. Quand il est vraiment dans la boule. Est-ce que c'est repris? Pas sûr. Hein. J'ai pas l'impression. Non. Au même du corps qui est... Il est passé. Et un peu lent. Oh, j'aurais pas mal joué celle-là. Hein. Ouais. Après, t'as des pics après. Ouais. Après, tu peux vite partir. Il y a 4 boules de tir, mais on va... Ouais. On prend le risque, ouais, on s'expose. Peine sur l'arrêt, toi. Attention. Ouais. Ouais, c'est repris tout de suite, ouais, effectivement, il a bien joué là. Ah, mon Lucky. Il y a un casque qui s'est mis bien en face. Ah, c'est frappé. Allez, Titi, encore. Ouais, parce qu'elle était bien en face, il fallait la tirer juste sur le côté. Allez, Titi. Thank you.
Bien joué Titi, super. Ah belle reprise encore. Allez. Allez, on tire. On vient me freiner deux fois. On recule sur le but, on vous le remontre, il est magnifique celui-là. Voilà, c'est ce que je disais, on s'expose, c'est pas loin. Tu peux y tirer, mais... Allez. Là, on va essayer de rendre le carreau, mais attention. Ouais, Tito. On a une boule de retard. Gaming. Là, c'est poussé, ouais, très adroit. Arrêtez dans le chambret, ça arrive de ma femme. Il y a les tribunes. Allez, gagnez le. Allez. Allez, Tito. Oui, il a la chance, il a cadré quand même. Bien, Tito, super. Bravo. Une belle reprise. Chier. Allez, fais fort, c'est là, je mettrai le mien après. Allez, fais l'effort. Il faut que tu rentres carreau. Ah, et ben voilà, il faut un carreau, mais il y est. Belle et forte. Ah, je vous l'ai dit. Ah, ça joue. Hein. Ah, c'est très très bien. Ouais, ouais. Ça... On n'avait pas perdu. C'était pas pour rien que cette équipe-là. Mais ils sont pas là par hasard. Ouais. Voilà, et là, et pas par hasard. Et Michel qui avait dit je mettrai le mien, apparemment, il est passé au travers. Et ce sera que deux points. Ah mais bon. Deux points, bon, ça les fait revenir dans la partie déjà. Ouvrir leur compteur. C'est deux que j'envoie. Oui, il va falloir qu'ils trouvent la solution, le grand Michel Pérez là, là sur ce jeu-là. Il faut soit les envoyer beaucoup plus haut, soit les assurer, mais c'est compliqué. Là-bas, je l'ai envoyé se passer bien, mais là. Bravo, super. Bravo. On a bien repris là. C'est lui qui a été plus dur que l'autre. Parce que la barrage. On a avancé une, ouais. La barrage, j'ai tout envoyé sur l'autre terrain, j'ai pas eu de déchets, et là, regarde. Ah, il faut que je le mette, il y a un mètre, 3-4. Ouais. Non, c'est pas la question de prendre la tête, mais c'est chiant parce qu'il y a l'arme. Ouais, superbe. Ah, c'est magnifique. Superbe. Mouchonné. Ah, Loïc est du corps vraiment. C'est le gagne, c'est l'André. Allez, s'y attendre. Même annulé. Il fallait s'y attendre. Moi, j'aime pas de l'autre. Et moi, j'aime pas l'autre côté. Ça fait le kiff. Ah, ouais. Merci, monsieur Serre. Reste. Serre, reste. Sur un peu plus pour Michel Pérez, il a dit lui-même, vous l'avez entendu, ce terrain est beaucoup plus difficile à jouer ici là devant nos caméras que sur les côtés de ce grand carré d'honneur, magnifique carré d'honneur d'ailleurs. Ah dis tout. Où il y a un peu plus de gravette. Ah mon grand. Ah, ce coup-ci on prend pas le risque et on tire tout de suite. Bien. Surtout qu'il a un tir très souple. Titouan et lui, il reste souvent. Donc il faut pas se gêner, surtout quand on n'est pas loin comme ça.
Ah, bonne reprise pour Michel Pérez. Ah, je vais le passer un peu, mais pas autant. Allez, vieux. De toute façon, ça il faut s'y attendre. Les joueurs ils veulent tellement taper dans la boule. Voilà. C'est très bien tiré encore pour Tito Olivier. Et effectivement, c'est toute la région Occitanie qui est représentée ici. Ouais. Avec ses joueurs et Tito qui lui est du nord, je pense. Si mes souvenirs sont bons. Et si on a quelques internautes qui peuvent m'éclairer un peu plus et savoir alors, exactement le club de Tétouan cette année. Voilà. On vous l'a dit que ça allait. On vous a dit que ça allait tomber. Tiens, je profite en parlant du nord et de la Bretagne, et du Finistère, et tout ça. Ah, il est licencié à Rumi. Tiens, Alexia Pinto, merci Alexia. Voilà, Rumi, très beau club en Savoie. Il y a la trace blanche devant. Ah, ça y est. Celle-là, elle est manquée. Chanon. Encore un très beau carreau. Ça a été chat noir. Il va mettre un peu trop même endroit. Il a dit avec la ligne. C'est la Haute-Savoie, pardon, excusez-moi. Oui, 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 c'est Haute-Savoie. C'est Haute-Savoie. Merci à tous, en tout cas à tous les internautes. On vous remercie de nous suivre et pour vos précisions. Ouais, ça frappe, hein. Ah, ouais. On vous l'a dit, c'est des bombardiers. Pas là par hasard. Allez, Titi. Et oui, champion de ta tête, Olivier Tito. Un champion triplette mixte avec Alexia Pinto. Et en doublette, et finaliste en doublette avec Romain Zimmermann. Voilà, merci pour toutes ces précisions. Ah, bah, la reprise. Hein. Frédéric, c'est lui. Il continue. Il y a vraiment une belle régularité là depuis le début à la pointe. Là ah, c'est poussé. Alors on va vérifier. Non. Bah, qu'un, hein. 3 sur. Ah, 3 sur, pardon. Je suis là, oui. Oui, Pascal, tu... Ah ouais, mais j'ai les lunettes de soleil. Donc, lunettes de... Parce qu'aujourd'hui c'est du soleil. Hein. La pluie, aujourd'hui, beaucoup de soleil. Alors. 3. Bien, Théo, bien. C'est bien 3. Eh oui. Eh oui. Donc 3 points supplémentaires pour l'équipe de Luc Lahil et Théo Aurel Cérès, Michel Pérez. Qui prennent la tête. 5 à 4. Voilà. Comme leur tenue, ils ont pris le maillot jaune. Oh, pardon, il y a une erreur sur le score. Bon, allez. Un peu par là. Hein. Voilà, on remet tout dans l'ordre. Voilà, c'est nickel. Ouais. Après, c'est vrai. Toi, tu as des lunettes de soleil et moi j'ai les doigts qui bégayent. Mais... Ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, dis tout.
Ouais, mon. C'est bien sûr, on a fait 3. Mais on dit, c'est l'équipe qui prend l'ascendant sur le tir là. Qui prennent tout de suite les avantages là sur ces jeux. Bien. C'est pour ça que je trouve que les bleus ne tirent pas assez à mon goût. Ouais, belle reprise pour Michel Pérez. Allez mon vieux. Allez grand encore. Voilà, on joue pas très loin. Ouais. C'est poussé, il y en a assez, ouais, il y a assez, ça fait jouer Théo. Avancez, elle a reculé, elle a avancé. Petit pognon. Il m'a fait des tournées. Oh, regardez pas, les gars. On va le regarder. Ah ouais, on va prendre le temps de le regarder. Ah, il est juste. Ici, on le voit. Sur la gauche. Là, c'est bon. Ouais, mais ça, je pense que c'est l'effet d'optique. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je précise d'ici. Alors, apparemment, il y a beaucoup. 5 cm. Vous voyez, c'est toujours sur le tombeau d'enfant. C'est parti d'amis, mais. Voilà, et là il s'en fait deux jolis. Ah oui, parce qu'il a rebondi sur le but. Ouais. Du coup. Voilà, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'avec le clocher à 50 mètres, on connaît les heures. Tout alors, à fait. On manquera pas le repas. J'ai raté hier soir. On a raté hier soir, on a fini trop tard, évidemment, le restaurant était fermé. Mais Laetitia du Roi Solaire nous a amené des pitains. Donc un tir de Frédéric qui a fait de la place. Ce qui va permettre à Loïc d'essayer de reprendre ce point dans un premier temps. Oula, il a poussé le but. Alors qu'est-ce qu'il est allé faire là? Ouais, ça fuse, on vous l'a dit, sur ce jeu-là. Allez, voici la qualification pour les quarts de finale du challenge Hubert Froment de Enzo Puccinelli, Giovanni Renault et Louis Molinas. On les retrouve à la case
numéro 5. Adversaires Mathias Pujopé, Joël Malatesta et Jérôme Nouzeran. Cette rencontre se déroule sur le terrain numéro 4. Enzo Puccinelli face à Mathias Pujopé. Terrain 4. Voilà, vous l'avez entendu. Enzo Puccinelli qui continue son bonhomme de chemin en quart de finale, oui, avec Louis Moulinas. Bravo, son père doit être un... Et Louis. Ouais, Louis Jean-Mimi doit être très content. Qui n'est autre que le frère de Tyson, hein, le petit Louis. Voilà, ils ont battu les champions du Gard. Voilà, ils continuent et continuent. Et face à eux, l'équipe de Joël Malatesta qui est tombeur d'Henri Lacroix. Non, on va essayer de rajouter. Ouais, c'est bien pointé pour Théo. J'ai l'impression qu'il doit y être aussi. Cet événement, le groupe Braja, Framatech, IMO de France, le camping Aluna qui organise le 17e édition du Aluna Festival, les 27 Oui, le petit jeune des pétangueules, on me pose la question, il a perdu hier soir malheureusement. Il a perdu contre l'équipe de Jean-François Jiménez. C'était sur le fil, ça s'est terminé hier soir aux alentours des 23h30. Garage Dupont, Garage Renault, SARL Roche. Ouais, c'est poussé et ce sera une main de 2 points supplémentaires. Roche, voire VDA Piscine, peut-être même 3. Restaurant, puisqu'il est resté le dans. Grand Goussier. Il est resté le Grand Luc Laïl. Le Café Cheyo, les Carrefour Market. Et ses 3 points supplémentaires. SV, CTP, le Bocaro, le 8 à 4. RCI et Laurent Violet. Donc là, il est vraiment encore très efficace. Ouais, faut pas les laisser partir là, messieurs en bleu, cette équipe là. Je pense qu'il faut réagir tout de suite. Il faut dégainer les premiers et bien tirer. C'était pas le moment de faire de trous pour cette équipe bleue. On continue pour les partenaires sponsors qui nous aident vraiment, qui sont toujours fidèles. Donc, Vidange Bonnor à la Blachère, le Froid Vancien, l'entreprise Forage Paul-Pierre, Tabac d'Aventure à Lévance, Électricité Générale Danielec, la Fromagerie Vancienne, ah, c'est pas mal, le Bar hein, des Sports à Saint-Paul-le-Jeune, essayez de resserrer, l'Auberge des Enclos à Saint-Paul-le-Jeune,
La brasserie parking Carrefour. Maintenant, il va falloir AEVA, c'est l'association se poser la bonne question. Économique vancéen. Est-ce qu'on tire au but? Florian Bénus. Il en est capable. Je pense que c'est la solution. On va essayer de tirer au but. L'agence estivale Sautel, Orpi. Le restaurant L'Olivier de Paillolive. Côté Provence. Ah non, là, on a décidé camping, de tirer la boule. Le Mas du Cerf. Je pensais qu'il allait partir direct au but. Restaurant Le Trésor. Ah oui, il va essayer d'envoyer dans les ambulance, deux. Ambulance, la gagner. Là, de toute façon, je pense qu'ils ont... il y a le compte, là, société AXA. Chez les jeunes. Voilà, il a déjà fait un premier carreau. À Chassagne. Cévennes Aventure. Voilà, il tirait dans les deux, il a fait carreau sur celle de droite. Il va essayer de retirer l'autre. Et s'il reste dans le coin, mais ça sera... Ça va être chaud, hein. Ah ouais, restaurant La Trobie à Sablière. Ah, il a pris sur la tête. AFDB, Lévance. Boucherie Gignier, Lévance. Voilà, on n'est plus sur une main de gagner, mais on peut prendre encore un net avantage. Ouais, bien repris. Il a cadré Théo. Voilà, on reste sur une belle main. C'est magnifique ce qu'on vient de faire. On peut pas mieux la mettre. Ah oui. Le casque qui est vraiment à la pointe, là, il fait un canter, là, il se... Du gros jeu, du volume, il est venu mettre faire un devant de boule pour économiser sur cette main. Bravo à lui. La sienne. Oui, la sienne seule, juste à la sauter. Voilà, ça devient un peu plus dramatique puisqu'ils ont deux points les adversaires. On s'y attendait pas du tout à celle-là. Ils ont deux points au sol, d'un temps qui est pratiquement gagnable. Donc il faut au moins arracher la marque là pour l'équipe en jaune de Luc Lahil et Michel Pérez. Elle est courte. J'ai l'impression qu'il est resté court et qu'il a laissé le point pour l'équipe en bleu. Comme quoi, vous voyez, Frédéric, il a vraiment bloqué cette main et il a contrarié les dessins de l'équipe de Luc Lahil pour revenir voilà, à trois petites longueurs. Allez, 8 à 5 pour Lahil. Oh, voilà. Une jeune fille avec son poupon et son papa qui regarde la pétanque. Magnifique aujourd'hui, les gradins sont pleins. Les hirondelles sont de retour, évidemment, comme voilà, on dit, au printemps. On vient regarder la pétanque en famille. Voilà. Les petits-enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde est là. Voilà, à la sortie de la messe, on a rempli vraiment ce cadre magnifique. Et on nous regarde même là-haut sur le balcon.
Voilà, tous les quarts de finale sont toujours en cours. On fera un tour des terrains tout à l'heure pour vous donner l'évolution des scores sur chaque quart de finale. Voilà, du corps. Très bien, encore. Chez FIC, Provence Immobilier, le Don Camillo Restaurant Pizzeria, SAS, SEK, Frédéric, Les Actions. Alors, sur le terrain numéro 4, l'équipe de Laurent Dumont mène face à celle de Rinaldo Ullmann, Sébastien Chazel, 11 à 2, oui, pour les deux. Sur le cadre numéro 5, vous le suivez en direct, 8 à 5 pour l'équipe de Luc Lahill face à Loïc Ducor. Voilà, on a décidé de tourner d'ailleurs. Le pont fer, ainsi que camping, les gorges de Chaucherac, la partie de Denzo Puccinelli face à Joël Malatesta, donc il démarre à peine 0-0. Moulin d'huile d'olive, froment. Et enfin, la dernière partie de Adèle Giafari face à celle de Enzo Perez. Je vous donne le score, parce que je vois le tableau d'affichage est 6 à 2, mais je ne sais pas pour qui, donc je vais vous renseigner à la fin de la main en cours. La promenade, table d'hôte, jardin provençal. Et vous entendez l'énumération de tous les sponsors de cette manifestation. Et je peux vous dire qu'il y en a des dizaines et des dizaines des commerçants qui soutiennent la manifestation. Et heureusement, mais heureusement qu'on a tous ces bénévoles et tous ces sponsors pour pouvoir vivre. Mais il y en a vraiment beaucoup, hein, oui, une solidarité, bien sûr, c'est indispensable. Et on les remerciera jamais assez, voilà, tous ces passionnés qui aident ici les organisations et ailleurs d'ailleurs, sur tout le circuit. Ah, c'est pas droit. Ouais, bien sûr, sans eux, c'est difficile, hein, maintenant. Ah, c'est même impossible. Belle solidarité des commerçants et des entreprises de la région. Voilà, c'est là. Ouais, une sur deux pour Frédéric Haz. Alors qu'à côté, on a Laurent Guyane qui enchaîne les carreaux, comme on a enfilé des perles. C'est pour ça que l'équipe de Sébastien Chazel a du mal. Ils sont tombés sur un os. Thomas Michel Plomberie, l'évancé en hôtel, Hôtel des Oliviers, Caveau Terravino, Moco, La Récré. Ouf, c'est magnifique. Pas bouger. Ce carreau de Luc Lahill. Belle plomb, garage Jouve Didier, garage Peugeot, campagne ville, Boyer TP, Lévance Combustible, atelier menuisier. Je crois qu'ils participent tous à la pétanque au vent, s'ils continuent d'énumérer. Bah en fait, il est en train d'énumérer, il est en train de lire le bottin, je crois. Ouais, c'est super. Tant mieux. Ah ouais. Parce qu'on a besoin. Vraiment, je vais demander un peu le nombre de. Ouais, il a commencé à énumérer ce matin à 8h. Mais attends quand même. René Boucher. C'est énorme. Ben oui, mais on a besoin. Ce sont tous des entre guillemets des petits apporteurs, mais ce sont toutes ces gouttes d'eau qui alimentent un océan. Ouf, pas loin. Café du Midi, Abeille Assurance, La Feuille de Chou. Incroyable. Grand Petit Marque, Neuf et Occasion, Garage des Cévennes, Sévenier Menuiserie, bon, ben voilà, l'opportunité. Frisière Le Vigneron. Ah, de revenir encore au score.
sur cette boule. Camping La Louvra de Titouan Olivier. Racine d'Aven, Rang d'Aven. Ah. Et l'Ardèche, le département. Parce qu'il a pris le but un peu au passage, je sais pas. Va falloir mesurer. Non, on est tous d'accord. Et le point va rester à l'équipe de Luc Lahille. Il ne s'attendait pas à marquer sur cette main. Et c'est un point supplémentaire. Voilà, ils auraient pu. Ils avaient l'occasion de revenir au score, mais finalement ils ont. Titouan n'a pas réussi à saisir cette chance. La boule lui a un peu échappé. S'il n'avait pas pris le but, je pense qu'il aurait pu faire le point sien. Mais en poussant le bouchon sur la boule de Michel Pérez, il a laissé le point à l'équipe des jaunes. Un joli point. Oui, Michel Pérez qui s'est très bien repris là depuis plusieurs mois. Magnifique carreau. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai trouvé regrettable que Frédéric ne tire pas plus que ça. Voilà, on le voit, il est capable, quand il est en rythme, de faire de très belles choses. Bah. Mais c'est rendu tout de suite. Hein. Voilà, vous comprenez pourquoi ces équipes se retrouve devant nous aujourd'hui en ayant sorti de très belles équipes. Voilà, festival. C'est magnifique, c'est un festival quand. Alors, c'est vraiment six copains là, qui sont en train de jouer, mais alors, ils se rendent beaucoup pour coup. Hein. Et nous, ça nous fait plaisir. Ouais. Ah voilà, le premier qui a craqué. Ça donne un peu le sourire. C'est le premier. C'est le premier qui craque. Ouais. Ces garçons, ils savent tout faire. Et Théo qui continue, il a manqué tout à l'heure, mais lui aussi. Il est très adroit, il a cadré, ça fait jouer l'équipe adverse. Et le Sébastien Sagel a fait 3 points et est revenu à 5 à 11. Donc 11 à 5 pour l'équipe de Laurent Dumont dans l'autre quart de finale. Et je vais vous donner l'évolution du score sur les autres quarts. Totalement. Je veux gagner, faire quelque chose. Voilà. Il a freiné aussi. Non, mais il est rentré déjà.
Chut. Aïe 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 aïe. Putain de merde. Je suis à peine au cours. J'en ai. À droite. On va partir en courant tiré quoi. Si je gagne moi, je fais le 1000. Si je gagne moi, putain. 9 à 2. Dans le troisième quart de finale qui oppose donc pour l'équipe de Marc Cognard, Adel Jaffari et Antoine Navarro qui mène 9 à 2 face à l'équipe de Enzo Pérez. Allez, tout. Allez, force. On est prêt pour Théo là, sur sa dernière boule. Je pense qu'on a fait le jeu aussi. 11 à 5, je répète, donc pour l'équipe de Laurent Dumont face à Sébastien Chazel. Si on le bute là, qui est. Ah, il est dans le coup, mais ah ouais. Ah, il tire très haut. Il est un peu court. Titouang, il tire très haut. Ah, il est pas droit. Allez, serré maintenant. Là. Ah, un mauvais passage. Allez, mais maintenant. Allez, faut qu'on marque. Allez, mon petit. Allez, Titou, serré maintenant. Voilà. Et 2 à 1 pour l'équipe de Joël Malatesta face à Enzo Puccinelli. Voilà, bien, c'est poussé. Bien, petit, bien. Allez, un point. Hein. Pour l'équipe hein, du. Quand elle est sortie de la main gauche, il a la pète. Jette-le le truc. Hein. J'arrive pas à le jeter. Ce truc. Olivier. Ouais, un petit point, ça les permet de revenir là, juste à 3 longueurs. Par terre. 6 à 9. Ouais, maintenant, pour eux, c'est l'essentiel, c'est de passer la mi-partie. Mais voilà, Loïc disait. Ah Fred, jette-le le truc, moi j'y arrive pas, mais je pense qu'il n'arrive pas à faire mieux non plus. Il est pas bon, Lucky. Mais il est court. Voilà, je le disais hier, il faut apprendre à jeter ce but. Exactement là. Un cramis, on peut le faire. C'est un peu d'eau. Ah, c'était les restes qui restaient sur la bâche. Sur un flambeau. Et là, ils le font pointer. Oui, parce qu'à la boule est derrière, donc on va essayer d'approcher déjà. Une très belle boule de Michel Perret, ça va permettre à Luc Lail d'aller tirer plus facilement, on va dire, plus sereinement. Ouf. Voilà, au pied de la boule, ça pardonne pas. C'est bien repris, mais il était juste légèrement court devant la boule, il a sauté. Et je profite pour faire un petit coucou à notre ami breton. Et si vous passez par là-bas, le Fournil des Menhirs, chez notre ami Johan, vous allez voir, il est champion du monde du Kouign-Amann. Non mais c'est vrai. Ah oui, non mais c'est vrai en plus. On apprend plein de choses. Oui, quand on est champion de Bretagne, du Kouign-Amann, on peut être champion du monde, je pense. D'accord. Ouais, ça se resserre là. Dans la partie de Laurent Dumont, 11 à 9. Ouf. La chaleur aujourd'hui
faire en sorte que les téléphones, faut pas les laisser au soleil. Hein. Ah non, non, ça chauffe. Ah ben oui, le mien est inutilisable pour le moment. Casser les deux, il est resté. Ouais, c'est bien tiré là. Je vous le dis. Et voilà. Et voilà là. Une belle remontée encore là pour Rinaldo Ullmann sur ce tir là. Et oui, qui sont remontés 11-9 sur le terrain. Ah, c'est pas, ils n'ont pas remis à jour, ils étaient déjà. Ouais. Pour les demi-finales du challenge Hubert Froment, étape PPF Passion Pétanque Française by Le Roi Solaire. On va voir tout à l'heure pour les demi-finales Adèle Jaffari, Marc Cognard et Antoine Navarro. Premier couvert, premier qualifié pour les demi-finales. Et oui, voilà l'équipe des Bougeronnes, Adèle Jaffari, Marc Cognard, Antoine Navarro, la première équipe qualifiée pour ces demi-finales. Ah, il a essayé de jouer sa boule, c'est pas mal joué, il a sûrement gagné. Il a repris quand même. Oui, il a repris quand même, il voulait rentrer à deux. À deux, il a très bien joué là, Théo. Et bon, il va laisser encore deux boules dans les mains de Titouan pour essayer de remonter au score. Ouais, déjà, dans un premier temps, il faut déjà arracher la marque en tapant cette boule. Oh, juste pas droit. Oui, ouais, il a baissé de régime totalement. Il se pose. Oui. Ça, elle est bonne. Ouais, ce coup-ci. Ça vient en l'air. Il a arraché la marque. Voilà, ça lui refait du bien au moral là, à Titouan Olivier. Il en avait besoin. Voilà, ça recolle. 9-7. Voilà, on a atteint la mi-partie pour eux aussi, donc on a passé même 2 points. Ah ouais, j'avais pas vu. Apparemment, ils ont c'était 2 points au sol. Je n'ai oublié. 9-8, ah ouais, moi. Voilà, ça recolle, voilà, tous les deux. Ah ouais, ouais, le cadre de la Web TV, c'est l'équipe de Luc Laïl qui mène 9-8 face à Loïc Ducor. Laïl, 9-8. Voilà, vous l'entendez. Damien, notre speaker officiel sur la manifestation annoncée. Voilà, on va jouer près des lignes. Alors on en a vu un paquet se noyer de ce côté.
Mais je pense que on va en voir d'autres, mon cher Pascal, parce que vraiment, sur ce terrain très compliqué à la pointe. Et voilà, la première, elle est là. Je pense qu'elle est sortie. Elle est sortie. Voilà, faut pas prendre de risque. Non, on a vu, comme je viens de dire, beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Là, je pense qu'il faut prendre la marge, il faut la jouer, voilà, pour venir gagner le... Comme Théo le montre sur l'image, voilà, il faut le gagner. À 50 sur le côté, c'est largement suffisant. Ne pas prendre de risque inutile. Voilà, il a pris bien de la marge. Oh, là, il est dessous. Bah, lui qui est gaucher, il a pris un peu moins de risques, mais il est complètement passé derrière. Du coup, il va mettre ses coéquipiers dans une drôle de posture là. Voilà, on les tire sur la partie d'à côté. Et on va réfléchir peut-être à les tirer au but. Là, il est pas loin de la ligne. Est-ce qu'on laisserait pas faire le spécialiste là du tir de précision? Ouais, donc, il y a 4 boules. Ouais, justement, mais bon. Ouais, il reste 20 cm à faire au but, alors je sais pas. Mais... On va quand même pointer encore une fois, il aura deux options là, derrière Frédéric Azès pour aller sortir ce but. Au moins que Titouan, Olivier. Il est quand même gagnable. Hein, oui. Oui, mais bon, c'est prendre un risque. Bon, il a très bien pointé. Voilà, il est venu se mélanger au but. C'est frappé. Oui, c'est frappé. Que l'équipe jaune à 9. Mathématiquement, ils sont dans la gagne. À 9. À 9 dur. 9 pochés. Assez repris, certes, mais attention. Si Luc venait à faire carreau, on n'aurait qu'une seule boule pour aller noyer ce but. Ouais, il est sorti, alors on va peut-être continuer. On va continuer à essayer de gagner le point et faire tirer. Sur le cadre 6, c'est Laurent Dumont qui mène 12 à 9 face à Sébastien Chazel. Dumont, 12-9, cadre 6. Un joli point. Le but est un peu dans le coup aussi. Ah, il est dans le coup, il a très bien pointé. On va voir. Non, Frédéric, sacré joueur. Ouais, c'est manqué pour Théo. Pas droit. Ouais, on va essayer de... tirer encore. Voilà, cette fois il a fait sortir sans déplacement du but. Finalement c'est pas très cher cette main. Elle était mal embarquée avec cette première boule sortie du cadre.
Là, finalement, elle est un peu partie à l'équerre. Il a rapproché le point de Michel Pérez. Ouais. Ah, il faut rajouter ce coup-ci, Michel. Et voilà, c'est fait. Ouais, là, c'est fait sans problème. Bon, il fallait absolument rajouter. Et donc, ça sera 2 points supplémentaires pour le mener à 11-8. Sur ce cadre, pendant qu'à côté, Laurent Dumont mène 12-9. Face à Sébastien Chazelle. Joël Malatesta, j'ai l'impression qu'il mène 7-2. Et on vous l'a dit tout à l'heure, les premiers qualifiés pour cette demi-finale, l'équipe de Marc Cognard, Adèle Jaffari et Antoine Navarro, qu'on retrouvera cet après-midi. En demi-finale. Oui, parce que je n'ai pas eu l'horaire exact, si c'est 14h30 ou... On va demander au graphique de nous préciser l'heure de la reprise cet après-midi pour que vous puissiez aller vous restaurer vous aussi et revenir. Donc c'est bien ça, 14h30 vous aurez les demi-finales ici. Sur la pétanque française, Luc Laïl. Dans 14h30, vous aurez ici une Laïl première demi-finale. 11-8. Et pour l'instant, on ne sait pas encore quelle partie sera diffusée ici sur le cadre de la Web TV. Voilà, ça sera décidé aux alentours de 14h15. Voilà, vous connaissez l'horaire de ces demi-finales. Soyez présents. Sa bagarre à côté, ouais. Michel Pérez qui a repris le dessus à la pointe hein, sur Luc du corps. Voilà, et un point supplémentaire sur le cadre numéro 4. Joël Malatesta mène 8-2. Et 12-9 maintenant. Oui, 12-9 pour l'équipe de Laurent Dumont. Ouais. On a vu tout à l'heure le sauvetage de Rinaldo Hulman qui a sorti le but. Ah, que c'est bien tiré. Tu as eu quelle courbe, c'est loin. Pujopé mène 8-2 face à Enzo Puccinelli. Pujopé 8-2. Voilà. Il est vraiment pas usurpé ce titre de champion de France de tir de précision pour Frédéric. C'est un sacré client. Voilà. Ouais, bien joué. Ouais, un peu de chance parce qu'il a failli tomber du rond, le grand Michel Pérez là. Mais il a rencontré sa boule. La boule qu'il a fait. Qui lui a fait gagner le point. Voilà, il se reprend, ça bouge un peu. C'est encore palier pour Frédéric Haz. C'est magnifique ce qu'il est en train de faire là sur cette partie. Voilà, on va décider de tirer déjà sur la première là, qui est face au but. Pour Luc. Ah, il n'est pas droit, ça casse la deuxième finalement.
Donc voilà, dans son tir entre guillemets malheureux, il est allé quand même casser le carreau de Frédéric qui tenait derrière, et finalement ça laisse un peu plus de marge. Et on change de fusil d'épaule avec Théo. Ouais, Théo, ouais, qui traverse. Ouais, il aurait aimé aller se coller sur cette boule de l'eau. Déjà de 1, il a coupé un point, mais pas suffisant. C'est pas suffisant pour l'instant pour prétendre marquer sur cette même. Un bel avantage pour les bleus, faudra le concrétiser. Alors que pendant ce temps, on tire au but pour l'équipe de Sébastien Chazal. Ouais, plus qu'une boule pour le sortir sur le terrain. Et il a pris, il a encore sorti Rinaldo. Oui, c'est un beau geste, hein, de la part de Rinaldo Ullmann. Dans cette partie sur le terrain numéro 5, c'est Laurent Dumont qui mène toujours 12 à 9. Voilà, il les a encore sauvés, Rinaldo Ullmann. C'est pas le terrain numéro 5, mais c'est pas grave, c'est le 6. Ouais, mais on essaie de vous tenir au courant un peu de ce qui se passe, un peu à droite à gauche. De toute façon, vous voyez un bout sur nos images, il y a toujours un bout des terrains adjacents, que ce soit le 4 ou le 5. Bon, mais il y a la place là. Il y a la place pour prendre le maillot jaune pour les bleus. Oui, on a 3 boules en main. Voilà, il y a moyen de repasser devant. Allez, sur le cadre de monter 4, à 12. Voici un nouveau point pour Mathias Pujopé qui mène 9 à 2 face à Enzo Puccinelli. Pujopé 9-2. Voilà, c'est à Loïc de montrer le chemin pour Titouan. Voilà, il est parti. Est-ce qu'il est rentré du fond là-bas? Tout mesurer, on va vérifier parce que ça vaudrait peut-être le coup pour la gagne que Titouan aille tirer. On réfléchit. Je pense qu'on va le tenter effectivement. On va tenter la gagne chez les bleus s'il venait à cadrer deux fois. Efficace qu'en début de partie. Oui, Titouan a perdu de sa superbe. Il était très efficace en début de partie. Il s'est mis le doute sur une ou deux frappes qu'il a mal négocié. Depuis il est en dedans. Ouais.
va rajouter quand même, j'ai l'impression. Il va y en avoir deux. Peut-être pas. Un sur. On vérifie le second. J'ai pas l'impression, mon cher Pascal, j'ai l'impression que c'est qu'un seul point. Eh bien. Eh oui, donc c'est qu'un seul point, effectivement, pour les Bleus qui recollent doucement. Ils n'ont pas su saisir l'opportunité. Ah non, ils n'ont pas saisi. Ils avaient l'opportunité là déjà de revenir au score, ouais, voire dépasser. Et finalement, ils ont. On vous l'a dit, la pointe est très compliquée. Mesurer, monsieur l'arbitre, j'ai l'impression qu'il est bon quand même. Ouais, moi aussi. C'est une impression. J'ai l'impression que les pas de Frédéric étaient assez justes. Allez, Pascal, vite, ton commentaire. 9,87 m. 85. Ah non, il y avait plus de 10 mètres. Ah, il est pas bon, Bernard. 10,03. On a perdu à 3 cm, on a perdu. Oui. Frédéric avait bien mesuré. Voilà, 8,30 m. Bon, je vois mes distances. Allez, sur le cadre 5, voici un nouveau point pour Loïc Ducor. Luc Lail mène 11 à 9. Ça applaudit parce que Rinaldo Hillman, là, il fait le spectacle sur la partie d'à côté, là, sur le cadre numéro 6. Ça bagarre, c'est bon. Ouais, ça m'a gardé, ouais. Hein, puisqu'il vient de faire carreau, il laisse encore une boule à Sébastien Chazelle. Donc ça leur permettrait de bien revenir sur cette partie. Au moins qu'il y ait une grosse main au tir. C'est manqué. Donc c'est une main d'un ou deux points maximum pour Sébastien Chazelle. Ouh là là, on a vu. Il est court. Il est court et il n'est pas droit. Pas bien droit. Donc c'est qu'un point. 12 à 10 pour le rendement. Allez, cadre 6, voici un nouveau point supplémentaire pour Sébastien Chazelle dans cette nouvelle mène. Laurent Dumont qui mène 12 à 10. Sur le cadre 4, voici de nouveaux points pour Mathias Joubert dans cette nouvelle belle. C'est bien repris là pour Michel Pérez. Le score 11 à 2 face à Enzo Puccinelli. Puis Joubert 11-2. Et un peu en difficulté, le jeune Puccinelli là. Il faut dire qu'il a fort à faire en face. Hein. L'équipe est plus Joubert, Malatesta, c'est difficile à manœuvrer. Dans ce temps, Frédéric, lui, il continue son jeu. Très très belle partie de sa part. Il a très bien suppléé son ami Titouan qui est en difficulté là depuis quelques mêmes. Voilà, c'est bien. Oui, il est passé. Pour Michel, ouais. Michel, deux très beaux appoints, pardon. Bien tiré encore.
Vous voyez, les moitiés boules. Mais ça compte. Oui, oui. La sportivité entre les joueurs. La sympathie. Ah bah là, c'est une partie de copain. Allez. Voilà, on se retrouve boule à boule. Voilà, c'est lui qui venait à cadrer. Déjà, au moins, il casse la gagne. C'est fait. Dans un premier temps, on casse la gagne. Et après, on voit. De la une partie où il y a le concours B qui est en parallèle là, on a des quarts et des demi-finales. Ouais, c'est repris facilement là, pour Loïc Ducor. Alors est-ce qu'on continue à casser du point pour Théo? C'est bien repris. Voilà, on décide de pointer pour jouer face à la boule. Eh oui. Demande qu'à rentrer. Ah oui, de l'eau du corps, pourquoi pas. Ouf, voilà, ouais. Il est passé à côté, il a gagné le point, mais c'était le vrai jeu. Ah, et ce coup-ci, c'est Laurent Dumont. C'est un beau geste de Laurent Dumont. Français qui mène 12 à 10 face à Sébastien Chazel. C'est Dumont, Laurent Dumont. 12-10. Laurent Dumont qui est allé tirer au but. C'est pour ça que vous avez entendu ce silence, puis ces applaudissements. Ce coup-ci, c'est l'équipe de Laurent Dumont qui était en difficulté. Et c'est Laurent Dumont qui est allé sortir ce but. Ouais, parti de fort belle manière. Il est... De haut niveau, là, sur le cadre 4 aussi. Allez, c'est poussé. Théo qui a fait le point sien. Voilà, on va décider. Ben, de... Je pense qu'il va arriver à repointer. Et essayer de rentrer à deux, si possible. Ça leur permettrait de revenir à égalité. Au moins, déjà arracher la marque. C'est un minimum pour Titouan. Voilà, il a fait. Alors, est-ce qu'il en a c'est assez fait ou pas? Est-ce qu'il y en a assez ou pas? Ah, Michel Perez, il dit, je ne sais même pas s'il y en a un. Allez, on va tout mesurer et vérifier s'il y en a un ou deux ou zéro. Voilà, et dans l'autre quart de finale, Louis Molinas qui recolle un peu face à Joël Malatesta. 5 à 11. Allez,
c'est 3 nouveaux points pour Renzo Puccinelli dans cette nouvelle mène. Le score pour Mathias Pujopé mène 11 à 5. Donc finalement, c'était 2 points. TV, PPF, on est à égalité entre Loïc Ducor et Luc Lahil. 11 partout. Voilà, vous l'avez entendu, Damien. 11 partout, ici, sur cette très belle partie entre Luc Lahil et Loïc Ducor. Ah, c'est vraiment très serré, on vend très cher sa peau. Tout le monde veut arriver dans ce dernier carré ici. On avance. Je le répète. Donc c'est le deuxième étape du tour PPF 2024. Sur la première étape, c'est Henri Lacroix, Laura Matraglia et Liganower qui s'étaient imposés. Il a pris l'ascendant là face à son adversaire direct, Loïc Ducor. Oh. Superbe. Ah, Fred, il fait une partie superbe et au bon moment. Ah non, il est énorme sur cette partie là. Des stats impressionnantes, un volume de jeu impressionnant. Allez, le but. Ah, Luc. Avec voilà, mène annulé. Ah, il avait bien tapé sur la tête, mais avec un peu de chance, il a cassé le but. Belle partie, hein, Jean-Michel. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Hein. On assiste à des parties acharnées. Sur le terrain d'à côté, ça bagarre encore. Ouais. Ça bagarre partout. Ah, ouais. Genre, on vous l'avait dit, hein, sur ce cadre, voilà, vous avez ces 6 protagonistes-là. C'est pas des... Ils sont pas là par hasard. On a décidé de jouer court. Des gamins comme Lavoie qui s'amusent. Ne serait-il point midi ? Oui, tout à fait. Monsieur le curé a sonné les cloches. Suite.
c'est poussé. Ouais. C'est toujours efficace, il est juste au pied de la boule. Ça marche. Et on contre-attaque tout de suite. Du côté de Luc Lail. Et oui, on ne va pas servir de cible. Ah, belle reprise pour Louis Ducor. Ah, c'est carreau. Ah, c'est ça, carreau de coup pour coup, là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a la gagne dans les mains de Rinaldo Ullmann sur le coup d'à côté, et sur notre terrain j'ai l'impression qu'on va tirer au but. Pascal, c'est chaud des deux côtés. Ah, il est pas rentré. Ah, il est passé, c'est 12-12. Il a refusé, il a pas réussi. Lui qui avait tout fait dans cette partie, Rinaldo Ullmann. Ah, 12-12. Ouais, ah, c'est chaud, c'est chaud. Sur le terrain à côté, et là... C'est boule de gagne pour Rinaldo Ullmann dans sa main. Donc on est à égalité, 12 partout face à Laurent Dumont. Dumont, Chazelle, 12-12. Tu vois, par contre, j'ai pas compris pourquoi Fred n'est pas parti. Ou alors il aurait laissé les deux boules à Titouan pour tirer au but. Dans cette main. Parce qu'il reste encore 3 boules dans les mains des jaunes. Sur le terrain à côté, 11-11 ici, avec les parties sont c'est serré. Très accrochées. Et sur le... Ah, il a fait le recul là, il n'a pas fait carreau, Frédéric. Vous allez le voir sur ce magnifique ralenti proposé par François à la réalisation. Mais il les casse les boules. Là. Ouf. Oh oui, et petit Louis Molina, Enzo, les jeunes, là, Enzo Petinevi qui se laisse pas faire et qui reviennent 7-11. Face à l'équipe de Joël Malatesta. C'est parti pour Enzo Puccini dans cette nouvelle main. Mathias Pujopek qui mène 11-7. Ah, il n'est peut-être pas coups, arrivé hein. Là, Michel Pérez. Mais elle demande qu'à rentrer. Il manque pas beaucoup. Ouais, il va me faire mentir là. Michel Pérez. Ça avait l'air assez simple. Il a laissé deux points par terre, j'ai l'impression, avec une boule en main pour Titouan, deux boules pour Théo. Bon, après, cette boule, elle demande qu'à rentrer. Ouais, mais c'est des boules qui valent cher. Voilà, et voilà, et il a fait carreau. Là par contre elle est très importante là pour Titouan, lui qui est dans le doute depuis quelques semaines, ça lui ferait du bien d'y taper. Ouais, pas très loin, pas de difficulté particulière. Et c'est frappé. Fait. Alors maintenant il peut gagner comme perdre. Parce que s'il rentre, il rentre avec la sienne, il a gagné. Il a gagné. Ouais. Et s'il rentre pas, il a perdu. Alors là, et après s'il rentre, il peut avoir un point supplémentaire, monter à 12, mais attention, il faut faire attention de ne pas trop la jouer trop fort cette boule. Allez. Parce que si on traverse, on a perdu. On va voir. Oh putain, et qu'est-ce que pardon, je te dis, excusez-moi, mais... Et oui, qu'est-ce que je t'ai dit, ouais, qu'est-ce que je t'ai dit. Et ben voilà. Et voilà.
Oh là là, ça se jouait. Ça c'était surtout ce qu'il fallait pas faire, de jouer vraiment la boule à fond, parce que là, du coup, il est passé à travers, mais bien sûr, il fallait jouer au moins la marque. Ben voilà, c'est une partie d'amis là qui se termine sur la victoire de Frédéric Gadès, Loïc Ducor et Titouan Olivier, finalement. Voilà, ça a penché de côté. Très accroché. Très accroché, mais avec un Frédéric qui a été exceptionnel, je pense, pour moi, c'est le MVP sur cette partie. Il a fait vraiment du très très gros jeu. Et du coup, il a mené à bout de bras son équipe. Il a réussi à les amener jusqu'à cette demi-finale, mon cher Pascal, qu'on retrouvera donc à 14h30. Je me suis régalé. Moi aussi. Même si je ne connais pas ces joueurs particulièrement. Ouais, mais tu les découvres et c'est bien. Ah, tu sors de tes 4 ou 5 joueurs connus que tu as connus à Fréjus. Voilà, à Draguignan, ça fait du bien de voir ces joueurs-là. Ah, ouais. Merci les gars, belle partie. Et ils sont, c'est des gens adorables, très charmants, tous ces jeunes-là. Et on va les retrouver tout à l'heure pour les demi-finales. Pour les demi-finales, oui. Donc le tirage c'est à 14h15. Pendant ce temps, 12 à 12 sur la partie d'à côté, on va voir si on y arrive. Il y a peut-être eu deux tirs. Peut-être avec Doumé, s'il peut nous zoomer sur la partie d'à côté pour qu'on ait la fin. Alors, il y a eu. On est terminé donc devant la Web TV Passion Pétanque. Sur le terrain d'à côté, il y a eu deux tirs au but manqués, ce qui met Olivier et l'équipe de Dumont tout à l'heure pour les demi-finales. Loïc Ducor en bonne position. Et voilà, c'est fini. C'est fini, les deux Laurent. C'est la victoire de Laurent Dumont, finalement, puisque c'est Manu Viola là, qui est venu rajouter le 13e point. Voilà, deux parties qui se terminent. Dans le même timing. Oui, on s'est régalé. On vous dit bon appétit et on vous dit aussi à tout à l'heure, donc 14h30, les deux buts des demi-finales. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. À tout à l'heure. Merci. Et on va pouvoir peut-être aller manger. Oui, on va aller vite se restaurer, on se retrouve. Donc à partir de 14h30 pour cette demi-finale. Bye bye. À tout à l'heure. À tout à l'heure.